C'est le 9e arrondissement. Alors là, on est dans le 10e. Donc approchez-vous, on va commencer. Il y a des chaises devant, soyez pas. On est très heureux d'avoir avec nous ce soir HPG. Merci d'être venu, monsieur. Ok. Donc on te connaît surtout comme. On te connaît comme comédien. Donc, une... Si vous voulez être sur les bambous, il faut être comédien pour le faire. Oui, alors, 600 films à ton actif. Beaucoup, plus que ça, bien plus. Quoi. Plus que ça. Ouais. Enfin, vu les films, c'est pas non plus. Ça peut être tourné en un quart d'heure, hein, une participation. Pas de fausse modestie, t'as commencé à tourner. Pas de fausse modestie, mais une érection dans un coin sous une douche, hop, ça rentre dans ma filmographie. Donc, d'accord. Donc, un quart d'heure sous une douche nue, avec une terminaison normale. Tu rajoutes un film de plus. Donc ça comprend les courts-métrages, les moyens. Non, ça comprend mes films noïques, c'est ça que j'entendais. D'accord. Parce que j'ai pas fait 600 films traditionnels. Voilà. Alors non, il faut expliquer à des gens, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, tu distingues les films X et les films que tu appelles traditionnels. Moi, à la rigueur, je les distingue pas, mais force est de reconnaître que tout le monde les distingue, a raison, donc je suis bien obligé de... Et donc là, j'ai en ce moment un projet où j'aimerais bien que Karina, que je remercie d'être là, qui joue dans le film, fils de... J'ai un film qui s'appelle Marion, qui a trois versions. Une version sexuellement explicite en pré-achat canal, une version soft en pré-achat ciné plus, et une version totalement libre, en coproduit avec Capricci, pour les salles et festivals. Donc, vu qu'il y a des scènes sexuellement explicites dedans, mais qui doivent être narratives. Alors, quand je dis narratif, il faut se méfier, parce que quand on voit ma filmographie de cul, je peux le faire de façon... Donc, scène explicite narrative. Ouais, c'est-à-dire que la scène pornographique doit faire vraiment avancer l'histoire. C'est-à-dire que contrairement à un film pornographique que j'adore, j'en lis plein, l'histoire s'arrête quand la scène, quand le sexe est là, que tu vois, on fait des plans caméra et tout ça, l'histoire on s'en fout. Mais là, moi je fais du gonzo, l'histoire je m'en fous. Donc, Et donc c'est tellement dur à faire ce film-là que pour convaincre les gens comme Karina, je suis obligé de le tourner dans l'ordre, mais c'est normal. Et je vais montrer le scène, je vais montrer le début du film pour essayer de convaincre les gens de ce point. Bon, je dis un peu n'importe quoi, tu coupes la parole comme tu veux, je suis ingérable, mais c'est comme ça que je vis. Enfin, quand on me pose des questions, je fais ce que je veux. C'est quoi le gonzo? Le gonzo, c'est ce que j'aime faire c'est dans le film de X, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que dans le porno, on est tellement mauvais que si tu demandes... Moi, j'ai joué 50 fois le plombier et tout ça, tu me parles de droit. C'est-à-dire, moi qui joue, tiens, mon robinet est en panne, j'ai pas une chèque qui dit, ouais, mon robinet, enfin, je sais pas comment elle parle, elle dit c'est en panne, puis tu vois HPG qui se pointe en plombier. Alors. Là, l'histoire, quoi. Et l'autre jour, je voulais embaucher une nana qui me dit « Ah, je vais pas tourner avec toi, HPG, parce que tu fais pas d'histoire, tu fais du gonzo. Moi, ce que j'aime dans le X, c'est les histoires. Eh ben, va tourner avec Fabien Lafay et va tourner tes problèmes de robinetterie. » Donc, dans le porno, je fais pas d'histoire parce qu'on joue trop mal. Et ce que j'aime dans le gonzo, c'est qu'il y a une sincérité, on va droit à l'acte, et les gens se déshabillent chemin pour la première fois, il y a une nudité qui apparaît, et l'histoire commence comme ça. C'est pas peine de m'énerver quand je dis ça. Mais le gonzo, c'est pas... c'est un courant cinématographique qui vient des États-Unis où la personne qui filme est acteur. C'est-à-dire qu'elle oui, enfin, ça, c'est film, enfin, dit, de... parce que t'es un poète du cinéma, mais un gonzo pour moi, il n'y a pas d'histoire. T'es là, à poil, on tourne. Voilà, c'est ça. Le mot gorgonzola ou d'un autre truc, je sais pas. Mais, bon. Le gonzo, pas d'histoire, on va droit au but. Mais le fait d'aller droit au but, c'est une sincérité qui me plaît. Parce que. Dans les films X, on fait des histoires que personne ne croit, jouer super mal. Bon, on va l'accélérer, on va perdre plus de temps à dire à la brelle, dis-moi bien, fais couler l'eau. Elle va le dire. Enfin, moi, des fois, alors, dans le porno, je demande à ce qu'on joue vraiment mal. Ou bien. Il y avait une cacahuète sur de l'eau. La fin d'HPG. C'est un intello, mais demande ce que c'est le gonzo. C'est bon, tu m'as donné les sous, je m'en fous. Bon. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, dans le porno, soit on joue très mal, parce que j'adore les films très mal joués dans le porno, je trouve que c'est un charme. Ou soit on essaye de bien jouer, mais... Ou pour bien jouer, on fait du gonzo, parce que les gens viennent pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils savent faire, et mettent... Elle veut pas... Je dis, déshabille-toi, et le film commence par sa pudeur, là, cette femme en train, où cette femme en train de se déshabiller, et c'est une histoire beaucoup plus intéressante que l'éternel problème de robinetterie, quoi. Voilà. Ça, c'est ton gagne-pain. C'est-à-dire que tu tournes toujours, et tu es producteur toujours. Bah, c'est mon gagne-pain, et de toute manière, moi, quand je tourne avec Karina ou certains amis qui sont là,
quand je parle à Cantona, je parle comme avec des actrices porno, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale. Quand tu as une caméra, tu essayes de bien faire d'une manière artisanale, et que ce soit du porno ou du tradi, je ne fais pas de différence fondamentale pour moi. Ni l'un ni l'autre sont dépréciables. D'accord, voilà. Mais tu fais moins de films traditionnels que de films porno. Ben heureusement pour le monde du tradi, hein, mais et le monde du le cinéma tradi, c'est un sport de riche où il faut avant tout, ce qui ne me déplaît pas parce que je suis producteur, avoir, je tourne en fonction de mon budget. Ouais. Le traditionnel, c'est avant tout un sport de riche. Ouais. Et avoir un peu d'argent pour tourner. Non, oui, je m'inspire de ma vie parce que, première, déjà, en travaillant dans le porno, c'est une succession de scènes un peu à la Bukowski. Je n'ai pas dit à Hitchcockienne parce qu'on sait déjà la finalité du truc, mais Bukowski, ça c'est sûr. Et j'en compte une foule de personnages avec beaucoup d'humanité. En général, des timbrés, parce que dans le porno, une nana de 20 ans, 18 ans, c'est pas sa place, elle va pas être là. Il y a plein de gens qui ont... Je tombe avec des débutants, donc il y a toujours quelque chose, un élément déclencheur qui est très intéressant. Et ça me sert dans mes films traditionnels, parce que ces petites rencontres dans le porno nous nourrissent. Et ce côté Bukowski est improbable, et je suis entouré de dingues, et moi-même je le suis, bah ça se répercute, et ça se transmet dans mes films traditionnels. Quand je joue comme des enclumes, dans le porno, oui, c'est quand même... Quand on voit un film... réalisé par Dorcel ou Fabien Lafay, c'est une humilité, mais ça fait partie du charme, quoi. Ouais, mais bon. Puis bien joué, c'est pas évident, quoi. Les acteurs porno ont moins de pudeur en enlevant leurs vêtements qu'ils en ont en parlant, quoi. Donc chacun sa pudeur. Et dans ton film, on te trouve, on se surprend à te voir super pudique, quoi, en fait. C'est-à-dire que t'hésites pas, on voit la moitié du film, t'es à poil ou presque, en slip. D'ailleurs, je vais mettre. Je serais plus à l'aise à poil. Parce que tout le monde, ça ne me dérange pas. Ça dérange une fille. Je ne fais personne, mais les hommes, je ne sais pas. Allez, tous à poil. Sauf moi qui est habillé. Vas-y. Et donc, tu nous parles de la paternité, de le fait d'avoir des enfants. Le titre aussi de ton film, c'est « What's your job, daddy ?» Tu redoutes la question que va te poser ton fils, peut-être. Ça, c'était le titre en anglais. Hein. C'est le titre en anglais, ouais. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est... Alors, je suis coproduit avec Capucci, je suis content, mais c'est toujours pareil, quand on coproduit, c'est une discussion sur choisir le titre. Donc, si ça avait été que moi, j'aurais fait la traduction, mais ça sonnait moins bien en anglais. On commence... « What's your job, daddy ?» C'est vrai que c'est aussi une des questions du film. Et c'est ta question, on a l'impression que c'est ta question du moment, parce que là tu vas faire le tour de tes potes, tu vas faire chez tout le monde pour dire mais qu'est-ce que ça va donner un gamin qui a un père qui est hardeur, quoi. Un gamin et une gamine. Ouais. Oui. Non. Oui. Et tu as posé la question aussi, qu'est-ce que c'est de faire un film? Dès le début du film, c'est qu'est-ce que c'est de faire un film quand on est hardeur? Qu'est-ce que c'est d'être père quand on est hardeur? Enfin, là, tu poses des questions qui te sont personnelles. Moi, non, mais je regarde ton film. Oui, mais ça, c'est les questions qui surgissent en toi, pas forcément celles... Moi, j'ai fait un film d'une manière très sincère, et après, ce que ça suscite en toi comme question, c'est tes questions. Parce que la question, il y a une des interrogations que tu m'as posées, c'était absolument pas mon but. Mais après, moi, je fais un film avec beaucoup de sincérité, qui met plein d'éléments, et je laisse le soin à des gens comme toi, aux spectateurs, de se poser leurs propres questions. Alors, je suis pas un mec qui délivre beaucoup de messages. Je pousse une porte, je fais ça, je la ferme, les gens regardent, ils disent « Tiens, il s'est passé ça entre ces deux moments, qui c'est ce mec, comment l'analyser ?» Mais moi, j'essaie de pas m'analyser, parce que j'en deviens moins sincère, et j'oserais pas passer pour un con. Si tu fais trop de réflexions, tu retiens ta pudeur et t'oses moins faire de choses. Je veux pas dire qu'il faut faire un film d'une manière bête et réfléchie, mais faut se lancer et parfois réfléchir après, sinon t'es trop dans le calcul. Et dans le calcul, je fais du porno. Alors au début, sans même faire d'histoire, je me demandais si c'était possible de faire un film qui parle de mon métier en incluant mes enfants, sans que ça devienne vulgaire ou choquant. Est-ce que les deux peuvent se côtoyer au sein d'une heure et quart ou d'une heure et demie de film? Est-ce que c'est compatible dans ma vie privée? Ça l'est. Est-ce que dans le cinéma, ce qui me tenait à cœur, c'est que jamais mes enfants, on se pose la question de dire « tiens, ils les utilisent » ou « c'est indécent de montrer des enfants dans cet univers d'adultes ». Donc c'est une réflexion comme ça que j'ai dans la vie aussi. Voilà, voilà une des réflexions qui me pousse à faire un film. Alors après, j'écris un scénario qu'en général, je foule au pied en cours de chemin. Mais les enjeux du film, c'était comment bien élever ses enfants, tout simplement. Ça fait marrer tes potes.
Et tu fais parler mes potes parce que j'ai des gens géniaux. J'ai Karina, j'ai lui qui a lui, 100 euros, même si elle est bon. Si, il y a, Benoît qui est, que j'aime beaucoup, il va dire. Karina, tu vois, non, mais Karina, non, mais Karina, non, elle parle très bien. Et il y a aussi. Au moins. Non, mais Karina, vous êtes rencontré comment avec HPG? Tiens, viens prendre le micro, Karina. Viens. Merci, Karina. Merci d'être là. Parce que je suis amie avec sa femme. Je voulais que je rencontre Hervé. Ah, je n'ai pas compris ça. Pour tourner dans ses films tradis. Ouais. Finalement, je suis actrice porno. Non. Fais gaffe, parce que tu sais, il y en a qui vont le croire. Si elle fait un petit montage bien cut, bien serré, tout fini là-dessus, ta carrière est lancée. Hein. Fin de ta soirée. Merci, Karina. Merci. On peut le voir, on voit la pub, mais on se retrouve après. C'était écrit, c'était des impros, c'était quoi? Ouais, alors je sais pas comment expliquer. Moi j'ai fait le film déjà sans savoir ce que j'allais faire exactement. Enfin, il y avait c'est la base. Essaye de le mettre en valeur quand même. Merde. Vous. Non, c'est-à-dire que moi j'ai vu les films tradis de Dervé et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que j'avais jamais eu l'habitude de tourner avec. C'est-à-dire, moi, quand je travaille avec des réalisateurs, tout est très, très carré, très prévu, très dans des cases. C'est-à-dire que tu as ton texte. Enfin, j'ai jamais travaillé avec des réalisateurs qui sont des fous furieux, qui sont des Latif Kechiche ou machin. Voilà. Et là, c'est ton premier réalisateur indé. C'est un peu mon adieu Latif Kechiche à moi. Voilà, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant, une vérité qui sortait de ces films où j'avais envie de m'embarquer dans un truc où ça allait être en impro, où ça allait être très vrai, où il y allait avoir un truc de moi qui sort. Et voilà, et c'était un peu une sorte d'excitation qui sortait de l'ordinaire. Et donc, j'ai fait confiance à Hervé parce que j'avais bien aimé ces films. Et donc, ce qui était prévu à la base n'a jamais été fait. Et d'une scène qui était écrite, c'est devenu autre chose. Et puis une autre fois, il m'a appelé en me disant, on veut faire une scène chez nous. Tu sais pas vraiment ce que tu vas faire, mais viens, on va tourner. Et il te fait lire. Il me fait lire cette liste. C'est Gwen qui a eu l'idée. Et c'était Gwen qui avait eu l'idée. Gwen m'a dit, s'il faut parler pour la caméra, de toute manière, oui. Gwen, moi j'ai dit à Gwen, non, c'est là c'est la scène avec toi, c'est Gwen qui a eu l'idée. Elle m'a dit, fais-moi confiance, donc j'ai fait venir l'équipe, chez Bob et tout ça. Et ils ont fait leur scène, j'étais spectateur d'une scène, ça j'aime bien aussi. Donc c'est la scène avec Karina. Mais la liste était vraie. C'est-à-dire que tu as inventorié toutes les quêtes. Je continue d'ailleurs. Toutes les conquêtes féminines en commentant. C'est le mec qui dit ça sans avoir honte de lui. C'est ça qui est. Je continue, pas de problème. 50 ans, oui. Non, mais ça surprend personne. C'est ça. Ah, personne n'a dit. Peut-être que d'autres le font ici. Mais ils ne le disent pas. Ils font quoi? Karina, à un moment, lit. Parce que Hervé fait des listes de ses conquêtes féminines. Des listes, une liste. Hein. Une liste. De la numéro 1 à la numéro, je sais pas, 600 ou 800. Mais plus. Bien sûr, c'est un petit village sans l'église. Mais plus. 600. Non, mais j'ai dit 600, j'aurais pu dire. Mais plus. Je suis assez précis sur la question, donc attention. D'accord, c'est pas assez quand je m'en rends compte. Bon, bref, et il fait chaque fois un commentaire, belle brune, je sais pas quoi. Non, c'est quand même plus précis que ça, quand même. Hein. Voilà. C'est l'âge, c'est le nom, c'est ce qu'il a fait exactement sexuellement, l'endroit. Petite commentaire. Et le petit commentaire qui était excellent, c'était encore une bonne journée de passé. Ouais. Ouais. C'était très bien. Donc on voit que ça agrémente, quoi. Quotidien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je te laisse à tes petites applications personnelles. Deux pauses. Syndicalement, deux pauses. Après, Jacques. Syndicalement. Oh non, il n'y a pas de face à face. Ouais, face to face. Vous voulez, aux Olympiques, tu connais toi. Alors, tu fais quoi? Face to face, et après, je crois qu'il va. Je vais de l'arrière, voilà.
Vous en voulez un coup ou pas? Moi, si samedi, je fais la fête tous les samedis. T'en veux ou pas? Ouais. Tu appelles Léo comme prévu? Ouais, je vais prendre. Salut, ciao, ciao. Lily, retourne-toi. Lily, Lily, retourne-toi. Lily, Lily, regarde papa. Lily. Tu veux pas rentrer? Non. T'as dit non? Tu parles maintenant? Non. Tu dis non? Dis papa. Vas-y. Lily. Ok. En tout cas, j'aime bien bosser avec des gens comme Benoît. Je ne connais peut-être pas assez suffisamment Hervé pour... je sais pas. Moi j'aime bien son univers, le porno, tout ça, ça me gêne pas. Quoi. On a fait des courts-métrages, on a fait un plan séquence avec lui qui me plaît beaucoup. Ah, un court-métrage... C'est lequel? Catherine Deneuve. Ah non. Un airfuck? Ouais. On a fait un airfuck là? Ouais. Ouais, on a fait un airfuck pour Canal là. D'accord, je ne connais pas. Pour Canal+, vous connaissez oui, pas. Oui, mais sinon, c'est le plus que je connais, mais... Enfin, je n'ai pas compris. Bah, ouais, c'était une commande de plan séquence. Bah, vers la guitare. Mais il est dans mon vivant. Ouais. Il est très réactif, c'est un détonateur, Hervé. Un détonateur. Bon, Hervé, les projets. Prochain film. Bah, j'aimerais bien... oui, j'en ai deux. Il y en a un qui est un préachat, ce qui me change un peu. Et... Voilà, qui s'appellera bah Marion, et voilà. Et j'en ai un autre qu'on est en train de mettre en place, c'est Capricci, voilà, qui me suit depuis toujours. Et qui sortira en salle aussi. Bah, faut, oui, enfin, c'est prévu pour, il faut que je la tourne. Ah là là là. Ah non, d'accord, il n'est pas tourné. Il y en a que je vais mettre un an à tourner parce que c'est un truc assez spécial, ça me prend du temps de convaincre les autres. Enfin, c'est le premier là, et l'autre. Parce que moi, en fait, j'aime bien tourner, pas en enquillant les jours, parce que si tu fais un mois de tournage, il faut avoir pas mal de budget, parce qu'il faut réunir tout le monde, il faut prendre... dès le deuxième jour, tu es en retard, donc tu commences à réfléchir, en tant que producteur, ce que je suis, que je comprends toujours mes films, et non plus en tant qu'essayer de faire une belle scène, parce que tu as pris du retard. Et après, voilà, donc après, ça devient un business qui coûte de plus en plus cher et tu te bats avec l'équipe technique parce qu'elle est mal payée et c'est normal, donc tu finis tard, ils veulent pas, c'est bien. Donc, moi, ouais, je tourne quand tout est maintenant vraiment prêt. Donc, c'est des jours. Et en plus, j'aime pas me plonger dans un univers. Le cinéma est pas assez important pour moi pour que pendant un mois, je m'écarte de la vie sociale. Voilà. J'aime bien le cinéma, mais j'aime bien faire plusieurs trucs en même temps. Vous avez vu ce qu'il a dit par rapport à ce que j'ai dit moi? Moi, je prenais trop au sérieux le cinéma. C'est pour ça, et lui, il a expliqué justement, tout avec le temps, je prends moins au sérieux le cinéma. Oui, mais il le met dans ses films quand même, oui. Ce temps-là, à côté. Ce temps-là aussi, oui. Il coûte combien des films, HPG? Combien coûtent mes films? Bon, j'ai déjà un contrôle fiscal sur le dos, donc il n'y aurait peut-être pas en rajouter. Non, mais je réponds sérieusement, c'est de mes... La pudeur d'un producteur, c'est de parler d'argent, quoi. Donc écoute, vraiment pas cher. Alors c'est pour ça que ça me fait marrer quand les gens se plaignent, disent que je vois des jeunes auteurs bon, qui veulent faire des films à 500 000 euros tout de suite, ce qui est pas cher déjà, ce qui peut être le salaire de quelqu'un.
Et ce qui est extrêmement cher, on a 500 000 euros. Moi, j'achète un appart, hein, je ne fais pas un film. Hein. Donc, il coûte beaucoup moins cher que ça, parce que je tourne qu'avec des gens passionnés et qui sont mal payés. Et, d'ailleurs, mes films ne rapportent pas d'argent non plus. Donc, mais ils n'en perdent pas. Celui avec Fils d'Os, c'est le premier qu'on n'a pas perdu. Le prochain, c'est un préachat, donc je vais rester dans les clous, donc je ne vais pas en perdre. Tu n'avais pas l'avance sur recette. Sur le prochain? Oui. Oui, c'est une petite, mais j'ai obtenu, j'ai de quoi tourner, quoi. D'accord. Ouais. Mais des aides du CNC, tu en as? C'est un film par Canal+, et Ciné Cinéma. Oui, donc c'est les télés qui achètent. On t'a fait choisir des DVD dans le magasin. Oui. Est-ce que tu t'en rappelles? Non. Non. Alors il y a surtout pas mal de... Il y a Les Affranchis de Scorsese, il y a pas mal de nouvelles Hollywood. Brian De Palma, Friedkin, Cruising. Oui. Le premier film qui t'a marqué ou qui a été important pour toi ou qui t'a donné envie de faire du cinéma? Moi je dévore plein de films, donc j'ai pas de... Si je veux avoir un film pour me détendre, j'arrête pas à lancer de Casino, mettons, parce que je trouve que c'est vachement jouissif, c'est très bien filmé. Et... Ils prennent de la drogue, ils picolent, donc ça me parle. Il y a de l'argent, des prostituées, ça me parle aussi. Le premier voilà, film. Et je trouve que c'est très fun. Et d'ailleurs, à 72 ans, je crois, il a fait son dernier film avec DiCaprio, que j'aime moins, mais il y a une énergie. Comme quoi, on peut faire des films à plus de 70 ans. Si on ne savait pas que c'est lui, on pourrait penser que c'est un jeune homme de 20 ans qui l'a fait, parce que la manière dont il aborde ses films, l'énergie qu'il y met, franchement. Oui, puis dans le dernier film, lâche, dans le dernier film, il y a un personnage qui bande dans une partie. Ça dure une seconde. Dans le Loup de Wall Street. Ils sont dans une... Oui, quand il rencontre sa deuxième femme, la blonde, là, avec un type, là, elle est accompagnée d'un type qui les jette un petit peu, là, avec on voit avoir une érection à l'écran. Oui, on voit une érection à l'écran, celui qui... Vous l'avez vu, celui avec Benoît qui l'a vu. Celui qui joue Tony. Dans le Loup de Wall Street. Ça dure une seconde. Et l'acteur donc, il mange un poisson rouge, il est tout aussi. Il mange un poisson rouge, il se fait remarquer cet acteur. Il mange un poisson rouge, il est tout aussi. Ah oui, je pense pas qu'on le voit. Moi, je l'ai une seconde, et puis les gens sont interloqués tout autour. Et puis, imagine le titre. Tu vois, si on avait le temps, on vérifierait. Oui, je vous assure que c'est vrai. Non, mais c'est un petit type assez fort, je pense que là. Bah, le deuxième rôle, oui, mais oui, c'est ça, ouais, avec son collègue. Ouais, je me rappelle du poisson rouge, mais alors, je ne pensais pas que. Ah, c'est le petit, on se fait remarquer, celui-là. Bah oui, c'était. Ouais. Mais le loup de Wall Street, c'est pas le. Pour revenir son nom, quoi, en fait, c'est marrant parce que j'ai pas le personnage s'appelle Donnie. Il faut le trouver, quoi. Donnie. Il y a une érection du second dans le titre, quand même, qui a un rapport avec le truc. Moi, j'aime bien Benoît parce que quand je l'écoute, pour moi, le temps se dilate. Donc, moi, je sors du truc. Si c'est Benoît, il nous interpelle pour des. Il y avait l'invention de l'Occident de Jacques Attali, tu avais choisi. Tu l'as là, le... C'est un film important. La jaquette, s'il te plaît. Tu peux trouver la jaquette. Elle est, on va aller la chercher. Merci. L'invention de l'Occident, c'est un documentaire de Jacques Attali et ça avait l'air d'être un film très important pour toi. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles. D'accord, je vais t'en parler avec la jaquette, s'il te plaît. Alors, merci. Oui. T'as pas le droit de nous dire la jaquette. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait... Merde, j'ai pas une lettre. Non, parce que je voulais faire le fanfaron en étant en paraissant cultivé, mais puis surtout qu'on sait bien que je peux dire du mal ou du bien d'un film sans l'avoir vu. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et j'aurais dû mettre mes lunettes parce que j'avais une blague de prévu en faisant semblant de l'avoir lu pour impressionner quelques personnes, mais bon. Ah bon ? Voilà. C'est un humour que j'aime bien ce que je viens de faire, c'est-à-dire c'est nul. Voilà. On a un grand vide, mais on se demande si. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un. Dans mon deuxième projet, ça parle de, un peu comme le film Man of the Moon et Jim Carrey, on se demande s'il blague ou pas. Et en fait, dans le deuxième film, c'est l'histoire de quelqu'un qui monte un spectacle, sauf que les gens se disent dans la salle, c'est pas possible, il n'existe pas le spectacle, sauf que une fois par semaine, ton billet t'emmène voir le spectacle après. Voilà. Parle de ça. D'accord. Donc, ce que je viens de faire, ça pourrait être une répétition sur un humour qui met mal à l'aise celui qui le dit, mais ça parle profondément de ça. C'est pas drôle, mais bon, c'est son humour. Tes films en sont pleins, quand même, d'humour. C'est quand même assez drôle. Merci pour tes films. Les DVD sont vers la caisse. On a un petit pot. Et puis, merci d'être venu. Merci à tous d'être venus. Et à Karina, à Benoît. Merci beaucoup. DVD, en fait, si vous voulez faire dédicacer par HPG, évidemment, vous pouvez. Voilà.
que pour retourner la caméra, tu me fais un petit casting. Exceptionnellement. Elle rouge, c'est mignon. Ah, le whisky, c'est bien. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je me reprends là. Là, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas Chris Porno. Je tiens à le préciser. Ça ne voit pas forcément. Tu mets des lunettes, ça ne voit pas. Non, mais si j'avais su, je me serais préparée. Mais t'es belle, hein, Karina. Je te le dis. Parce que là, je suis passée chez une copine et du coup, je lui ai volé du rouge à lèvres. Mais sinon, je ne suis pas maquillée. Moi, je le sais que tu as. Je me suis dit, ça sauve un minimum de trucs. T'es belle au naturel. Tu vois comment j'ai mes comédiennes pour pas cher. Vous connaissez Benoît? Tu connais toi Benoît? Merci. Benoît, qui c'est qui moi je dois? Il y a un autre film aussi. Salut, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.